Oh les gars, les gars! Bonjour à tous mes collègues. J'ai une question à vous poser là, vite fait. Est-ce que vous allez bien? Non, parce que c'est une chose. Mais moi, si je vais bien, personne se pose la question. Bon, je fais une petite vidéo suite à la celle qui précédait ma chute en motocross. Ah, bizarrement, ça fait des vues! Hein, je chute en motocross, putain! Et quand tu tapes des vidéos, c'est top tout le bordel, ça tout le monde s'en va les couilles. Alors que c'est quand même intéressant, je veux dire. Bon, je vous avais dit dans la vidéo, genre qu'en gros, j'étais tombé, tac, ça m'avait bien choqué, que dans le sable, pas les rouler à fond, du coup, je suis parti à fond. Mais que en fait j'étais pas entraîné du tout physiquement et mentalement pour ça et qu'au bout de 20 secondes j'ai fait une erreur. Bah tu sais, tu lâches la pression en gros et tu te dis ouais c'est bon stop. C'est pas comme la route Hugo, le cross c'est à fond tout le temps. Tout le temps. Et du coup je suis parti à la faute, j'ai fait une... Franchement on dirait pas en vidéo, je te jure, j'ai fait une grosse chute. Bref, j'en ai continué, tu vois, je roule. Et vers la fin de début d'après-midi, fin de journée, quand je roulais, c'était ma main, mes mains qui lâchaient, tu vois. J'avais des grosses crampes aux mains, j'ai des grosses crampes aux avant-bras, tu sais, vraiment la poigne, je la tenais plus et j'ai resté accéléré dans les bosses, je tenais plus le guidon. C'est comme ça que je partais en couille d'ailleurs. Oula, il y a un gyrophare bleu qui passe, c'est quand même pas là, hein, bon, mais non. Du coup, bah je roule gros, je fais comme je peux, et donc je m'arrête tous les 5 minutes sur le circuit et pour faire une pause et je reprends. Ok? Vers les fins de ces trois dernières sessions, quand j'arrête la moto pour la passer à mon pote Tom, bah c'est sa moto d'ailleurs. Salut Tom, ça va? Bien plaisir. Et bah, je bouge les épaules un peu. Et je fais, oh putain, les courbatures de malade! Enfin, je sens que ça va arriver. Je fais, waouh, ils sont fatigués de ouf. Alors, mais gros, quand je roulais, je sentais rien. Genre, jamais de la vie, j'avais mal aux épaules. Tu vois, les épaules, pourquoi les épaules? J'y viens. Du coup. Bah tranquille, moi y a rien, tu sais, je sens que le soir même il y aura des courbatures, tu vois. Attends, il y a le break noir qui passe, on sait jamais si c'est la police. C'était bon, non? Moi j'ai eu peur. Donc je roule. Bref, fin de journée. Je sens les courbatures au mollet, parce que les mollets en fait étaient tout le temps debout, étaient sur les mollets en gros. Donc grosses courbatures au mollet qui vont arriver, je le sens. Les hanches, un truc de dingue pour kicker. Je prenais mon jean de cross, je le levais avec ma jambe. C'est pas comme ça que je me suis niqué peut-être. Tu sais, je prenais ma main droite et je saquais comme ça. Tu sais, je levais l'épaule du coup. Et je saquais mon pied pour mettre sur le kick et je kickais. T'imagines, c'est comme ça que je me suis niqué. Non. Bon bref, soit. Je pense pas, tu vois. Et bref, j'ai été mort des hanches, ok. Je vais me coucher et quand je vais me coucher, je sens les épaules sa mère comme si ils avaient travaillé pendant 10 heures d'affilée. Mais courbature à la mort, mais genre à la mort, gros, je fais de la muscu. Si les courbatures, j'ai connu dans ma vie, mais gros, ça n'a rien à voir. C'est des trucs de bébé, même quand tu te dis, moi, je peux plus bouger les épaules, je suis mort. Gros, le motocross, c'est un truc de malade, c'est hyper physique. Putain, celui qui dit que le motocross, c'est rien, faut vraiment essayer. Le sable, je parle. Dans le sable et je me couche et je me mets à peine sur mon épaule et je fais courbature de dingue. J'ai dû dormir de sur le dos tout le bordel. Le lendemain, courbature de dingue, je pouvais pas me lever, tout ça. J'ai fait la vidéo normalement, c'est ça. Le lundi au taf, je suis arrivé, j'ai dit ouais les gars, par contre c'est mort aujourd'hui direct, je vais faire de mon mieux mais je peux pas lever les bras, tu vois, c'est chaud à mort. Bon, je fais attention, j'ai un peu mal, je fais un peu même, ok, mais courbature. Mardi ça va mieux et là je dors de mardi à mercredi, je dors sachant que toutes les nuits que j'ai fait entre deux, bah c'était pareil, hein. Je me dormais sur le dos, tout ça, je faisais gaffe. Je me réveille le mercredi matin, j'ai plus de courbature quasiment, mais là je sens que j'ai encore mal à l'épaule droite et pas la gauche, mais c'est plus la même douleur, tu sais, en mode j'ai mal mais comme un petit pic, c'est plus une courbature, c'est une douleur. Et là je fais ouah non, pitié, c'est pas les débuts des emmerdes et tout. Et pendant la journée je commence à dire plusieurs fois, ah putain je me suis niqué l'épaule, je crois, j'ai mal à l'épaule et tout, c'est musculaire, je le sens, c'est musculaire. D'ailleurs c'est marrant qu'on sait nous-mêmes que c'est musculaire, tu vois. Bon bref. Je sens que je suis embêté, tu vois. Ah toi je viens de bouger là. Ah, c'est une hygiène. Une hygiène occasionnée. Mais là, je peux lever. Toi je fais gaffe là mec.
Voilà, là je sens une gêne. Alors, si je recule en arrière, je sens une gêne. Et donc, bon. Et depuis, bah, aujourd'hui, c'est encore un peu plus pire. J'ai mal. Et je sais que mon frère, il a fait un mouvement de muscu quand il était plus jeune, il y a 3-4 ans facile. Tu sais, c'était du soulevé, de l'arraché, pour ceux qui connaissent. Il n'avait pas les bras assez près, du coup. Il les avait en avant, du coup, il était en porte-à-faux avec une grosse charge. Et il s'est niqué l'épaule comme ça, tu vois. Et putain, je prie Seigneur sous mon cordé. Mettre la main sous le prix de mon cœur, ah, ça me pèse, tu vois. C'est la coiffe de rotateur, je me suis niqué peut-être. Hein. Oh, j'ai pas, putain, bref. Et donc, je prie que c'est pas ça, tu vois. Parce que j'ai envie de refaire du sport et j'ai envie de refaire de la motocross. Il m'a dit, je peux plus faire de moto. Ça me fait super peur. Donc, bref, j'ai envie, si quelqu'un est médecin, la haja, ou connaisseur dans le domaine des blessures, tout ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Alors, rassurez-moi, dites-moi ce que je dois faire et tout. J'essaye de limiter les mouvements, mais tu sais, mon boulot, tirage de câble, bon, c'est du petit câble et tout, on peut s'arranger, tu vois. Mais t'es quand même tout le temps un peu au bon en mouvement avec les épaules et tout. C'est la merde, gros, ça me fait chier. Donc, si quelqu'un veut m'aider, ça me fait super plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les collègues. Là, je suis en train de me bouger le cul en ce moment pour faire des choses. Voilà. Bon, je ferai une vidéo spéciale pour le dire. Ah, t'es trop pressé. Bon, passez à tous un très bon jeudi soir. Du coup, toi, j'ai pris mes affaires de sport avec. Je vais pas te montrer, sinon je dois lever le sac avec la main droite, c'est mort. J'allais aller au sport. Mais gros, c'est mort, je peux pas y aller. Et d'habitude, j'ai la flemme d'aller au sport. Je dis tout le temps, putain, j'ai la flemme d'aller au sport et tout. Et dès que c'est bon, t'es lancé, c'est bon, ça part, toi. Mais j'ai tout le temps la flemme, ça me fait chier d'aller. Et bah là, le fait que je peux pas y aller, j'ai envie d'aller, tu vois. Bon, j'aurais pu faire les jambes, mais même faire les jambes, genre tenir la barre pour faire des fentes et tout, c'est mort. Tu sais, ça met mon épaule en arrière. Je vais attendre demain, je fais les jambes sûr. Je vais attendre demain, on sait jamais si ça va mieux ou quoi. Je soupe, attendez ma prière, soupe. Ah ! Et donc, voilà, voilà. Et puis voilà, la paix. Un très bon dit mercredi à tous. N'hésitez pas à me dire des conseils, même si vous n'êtes pas trop connaisseur, votre avis, que ce que vous pourrez faire. Si vous avez... Bon, sinon la coupe, bien vas-y, la coupe. Tiens, petite. Bon, un berbe à moitié, on peut le dire, mais. Petit peu de poil. Petite coupe. Ben, je sais plus. Je me sens bien, là, pas de pente. C'est dommage pour l'épaule. Bisous, les gars, j'ai. Bon mercredi. Bisous, les gars. Ciao. Bisous sur l'épaule.